Nous sommes à cette date de samedi 11 décembre 2000. Ben oui, tu dis bien. Et l'Africain sénégalais. C'est choquant. Quand il dit c'est africain, non sénégalais, on dit. C'est ça le français, non sénégalais. Nous sommes en train d'aller sur l'île de Gorée. Ah, c'est le ticket. Je connaissais déjà Nagadep avant de venir ici. Merci. On va embarquer tout à l'heure. Il est où le photographe? Tu leur as mis le ticket? Oui, parce que le bac, il s'en va maintenant, là. Demande de se dépêcher. Dépêche-toi. On va embarquer, là. Waouh, Satan est parti. Ouais, ouais, on arrive. Mais il ne peut pas t'en. Il va s'asseoir ou aller rester debout? Asseoir, ça me fera bien. Là, t'es mon ami, hein. Mon ami. Mais après, au cas, il sera sur le bateau de l'arrivée. Il a eu deux mois à quelqu'un. Non, il y a mon photographe. Est-ce pas qu'il y en a qui en a photographe? Entre Dakar et Gorée, ça fait 3,5 km d'être traversé. Oui, ça marche. Donc, vous avez la chance d'être avec nous, Africains. Vous pouvez venir avec nous. C'est moi qui fais la visite. D'accord, d'accord. Ok, ça marche. Bonjour. Je suis venu.
Inch'Allah. Allez, okay, bien. Je vais les attaquer.
Voilà. À vous là. Il préfère rester ici. Il a voulu parler. Oui, il n'y a pas de problème. Vous allez pas le regretter. Vous allez pas le regretter. Voilà. Même si tu veux. Américains viennent ici à Paris avec des ordinateurs d'ADN parce que c'est
de quelle ethnie africaine qu'il appartient. Parce que chaque ethnie africaine avait sa cote et sa spécialisation. Retenez que dans cette île, on a déporté entre 15 à 20 millions de Noirs. Wow. 6 millions de Noirs ont été tués et jetés par des mauvais terminants. Parce que l'île n'avait pas de cimetière. Jusqu'à présent, l'île de Corée n'a pas de cimetière. À l'époque, les morts et les malades, ils les jetaient dans l'eau. Maintenant, chaque année, nous avons une compétition de nage à Corée. 5 km à la nage. Parce que nous avons 1800 habitants qui vivent à Corée en permanence. Arrivé, je vais vous montrer la maison des esclaves qu'on vendait nos ancêtres martyrs. En les pesant, en les enchaînant avec des fonds de 10 ou 300 que vous allez porter et voir. Et essayez de me dire, est-ce que ces chaînes et ces boules de 10 ou 300, si vous plongez avec ces chaînes et ces boules de 10 ou 300, est-ce que vous, même si vous êtes des bons nageurs, vous pouvez aller loin? Non. Non. C'est pourtant, c'est ça qui a poussé le pape Jean-Paul de revenir ici en 92. Nelson Mandela en 91. Clinton le 2 avril 98. George Bush le 8 juillet 2003. Hollande le 12 octobre 2012. Hollande est venu ici. Oui. Okay. Obama le 27 juin 2013. Obama est venu ici. Président Macron est venu ici le 2 février 2018. Et aujourd'hui, c'est vous. Ouais, merci. On est très content de vous et soyez les bienvenus. Merci, merci, monsieur. Avant-hier, il y avait le président de l'Afrique du Sud qui était là avec le président du Sénégal pour inaugurer le mémorial de Madiba. Vous allez prendre des photos et voir ce mémorial. Voilà, à la descente. Merci. Merci. Voilà. Il s'est souriant, il nous a fait, il m'a fait plonger tout de suite dans l'histoire. Ouais. Ah oui, le port. Dans une petite île par sa taille, mais grande par son histoire. Cette île que nous allons est petite par sa taille, mais grande par son histoire. C'est ça qui nous fait le tour du monde chaque jour sans bouger. Parce qu'on a beaucoup de Noirs américains blacks, beaucoup d'Antilles, des Guadeloupéens, des Africains de la diaspora qui viennent ici en pèlerinage pour venir se ressourcer. Parce qu'entre 15 à 20 millions de Noirs ont été déportés sur cette île pour les Amériques. 6 millions ont été tués et jetés par les mauvais terminants. 6 millions ont été tués dans l'eau. Dans l'eau, parce que l'île n'avait pas de cimetière. Il n'y avait pas de médecin. Les malades, s'ils voyaient quelqu'un qui était malade, ils ne voulaient pas d'épidémie. Ils les jetaient directement dans l'eau. Si des hommes étaient, s'il y avait des cadavres, ils les jetaient aussi dans l'eau. Et aussi, ça facilitait d'avoir des requins qui entouraient l'île. Pour éviter des gens qui essayaient d'échapper. C'est pourquoi vous attendez que 15 à 20 millions ont été déportés entre 1536 jusqu'à 1848. 6 millions ont été tués et jetés par des mauvais traitements dans l'eau. C'est ça qui fait venir maintenant
nos pèlerinages du monde. On a leur origine. Pour connaître leur origine. Les Américains viennent avec des ordinateurs d'ADN pour connaître de quelle ethnie africaine qu'ils appartiennent. Parce que c'est à partir de cette île que toute une famille est séparée. Si nous rentrons à la maison des esclaves, je vais vous montrer les couloirs qui séparaient les destinations, qui coupaient les familles. Wow. La mère aux USA, l'enfant aux Antilles, le père Cuba au Brésil. C'est pourquoi il y avait beaucoup d'esclaves enchaînés avec des boules de 10 kg 300 qui préféraient de mourir que partir. Parce qu'en sortant la porte, je vais vous les monter. On a une porte qui s'appelle la porte de sortie. Voilà, la porte aller sans retour, que nous appelons maintenant la porte de nos retours, que vous allez voir. Cette porte, les esclaves passaient sur cette porte avec les yeux fixés en l'infini de leur souffrance. C'est pourquoi quand le pape est venu ici, sa première réaction, c'est de demander le pardon du ciel. Parce qu'il savait que beaucoup de missionnaires catholiques étaient mêlés à l'esclavage. Ils n'étaient pas tous des saints. Mais en Afrique, si vous voyez qu'il y a beaucoup de pays que les gens ne sont pas des islamistes ni des hétérichistes, parce qu'on savait que s'il n'y avait pas des vendeurs d'esclaves, il n'y aurait pas des acheteurs. Les premiers qui faisaient de l'esclavage en Afrique à l'époque, c'était les Arabes et nos chefs de tribu africains corrompus par d'alcool, d'olvi, des barils de rhum et des miroirs. C'est ça qui a poussé l'esclavage de durer 350 ans, voire 400 ans en Afrique. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un pays qui a 90% des musulmans. 15 à 20. Ah, vous avez 90% des musulmans ici. Voilà, oui, oui. Ah. Au Sénégal, dans tout le Sénégal. Mais il n'y a pas d'islamistes, il n'y a pas d'intégristes. On a 100% de croyants au Sénégal. Arrivé, on va compléter les commentaires. Merci. Sur Corée. Soyez les bienvenus. Merci. Non, je vais vous montrer tout l'essentiel que vous voulez. Je vais te faire une abordage pratique.
face de vous, vous avez la maison des esclaves, vous avez la porte qui donne à la mer. La porte aller sans retour, c'est là-bas. La porte non retour, comme vous voyez là-bas. Voilà, vous voyez, il y a des gens qui sont sur la porte. C'est le bâtiment marron là, la petite. C'est la maison, c'est la porte là. Voilà. Ce bâtiment rond que vous voyez, c'est un ancien fort construit par les Français en 1854 et 1856. Maintenant, écartez-vous un petit peu pour que Ok. Non, ça va, ça va, la peine. Tellement, tellement, oh, photographe.
Non, c'est pas photo, c'est une vidéo. C'est un direct. Ah. Faut pas couper. Okay, watch the boy. Voilà. Voilà. Oui. Le capitaine, c'est ce qu'on dit, non, capitaine. Voilà. Voilà, maintenant on peut descendre. Ah, alors, vous prenez. D'accord. Non, grave. Je vais vous faire un après, vous venez de la grand chef. Voilà. Voilà, merci. Voilà. Prends-lui là des photos en attendant. Comme que les gens descendent, prends-lui là des photos. Okay. Mets-toi là-bas, il te prend des photos. Comme que les... il n'y a personne maintenant. Voilà, venez les amis, on peut y aller. On peut descendre. Merci. Nous voici sur l'île de Corée. Ah, le gars, il est devant. Oui, oui, il nous a appelé. Ok. Ok, ouais. Ouais. Ouais, bien sûr. Est-ce que tout le monde est là? Il est avec le groupe? Il est avec le groupe?
Voilà. Les amis, pour commencer avec vous, soyez les bienvenus à Gorée. Où est le sixième? Il arrive. Donc approchez ici sur le mémorial de Nelson Mandela. Daouda. Le temps que tout le monde vienne. Donc pour l'instant, vous cotisez pour que je prenne. Même au moment là. Ça, on a une dérée d'art. On a une dérée. Ça, on a une dérée d'art. Qui vit au bout de 10. Le mot-là. Non. Ça va, moi, on a une briefing. C'est vrai. Ça a l'air d'avoir un grisé. Thank you.
maintenant on y va. On est sénégalais. Approchez la famille de Babacar. Ok, moi c'est Fatima. À tout à l'heure. Voilà. Vous êtes chez vous. Ah ouais. Je préfère que vous vous dites non sénégalais. On va revoir ça. Non sénégalais. Non sénégalais. Non, soyez les bienvenus à Gorée. Je vous disais tout à l'heure que cette île a 900 mètres de long sur 300 mètres de large. Il y a 1000 musulmans et 800 catholiques. 27 hectares. 27 hectares. Il n'a pas de cimetière, pas de voiture, pas de vélo, tout est habillé. C'est pourquoi vous entendez que nous disons que la culture c'est comme la confiture. Moi, ils en ont appris au Népal. Mais les premiers Européens qui ont foulé le sol de Gorée, c'était des pêcheurs portugais. En 1444, parce que Dakar se situe au sud de la presqu'île du Cap-Vert. Après les Portugais, il y avait l'arrivée des Hollandais. C'est pourquoi toutes les conscients que vous voyez, ce sont des anciens conscients hollandaises qui vous rappellent les anciens conscients provinciaux comme au sud-est ou au sud-est de la France. Après, il y avait l'arrivée des Anglais. C'est pourquoi vous voyez que la Gambie et le Sénégal, c'est un état dans un état. Vous savez que la Gambie est dans l'estomac du Sénégal, mais c'est un état anglais. Parce qu'il y avait des guerres entre anglais et français. Les derniers gagnants, c'était les Français, et ils ont basé ici jusqu'en 1848, et ils ont aboli l'esclavage. Et on a reçu l'indépendance du Sénégal le 4 avril 1960. C'est pourquoi vous entendez que maintenant, cette île n'a pas de cimetière, pas de voiture, ni de biscuit, tout à pied. Toutes ces maisons que vous voyez, jusqu'au fond, c'était des anciennes esclaveries. Regardez l'architecture. Les frettes en haut, vous voyez, c'est des frettes normales. En bas, des frettes avec des barreaux. Parce que c'était des cachots. Cette maison que vous voyez, qui est l'actuelle presbytère, gardait entre 150 à 200 esclaves, hommes, femmes et enfants. Ensemble. Ils les séparaient, les cachots. La maison que nous appelons la maison des esclaves que nous allons visiter, c'était la maison commerciale. Les marchés se faisaient à l'intérieur. À l'époque, le prix d'un homme dépendait de son poids et de ses muscles. Le poids minimum aux hommes était fixé à 60 kg. Si l'homme avait 60 kg, ou 70, ou 100 kg, s'il descendait la balance, il les enchaînait. Venez voir ça. C'est cette pierre qui s'appelle le basalte noir, voilà. D'origine volcanique. Exact. Non, non, c'est ici. Parce qu'on a jamais monté. Où se trouvait le volcan à Dakar. Vous n'entendez pas les volcans? Same commune. Mais oui,
c'est une commune. Voilà. Détaché de Dakar, on a une mairie à Gouré, maire. Le maire de Gouré, c'est le président de la Fédération de football du Sud. Ah, d'accord. C'est connu. Commune de Dakar, au fond de Gouré. Commune de Gouré. Aujourd'hui, c'est ça. Salam alaikum. Il y a 1800 habitants. La maison des esclaves. Nous avons des esclaves. Des auberges, regardez. Tout ça, c'était des anciens esclaves. Des barreaux. Regardez là, les tranchées. C'était des, voilà, c'était des bouchières pour que les esclaves qui étaient à l'intérieur puissent voir la lumière. Non, elle était disponible. Mes amis, bienvenue. Bienvenue dans la maison des esclaves. Cette maison est construite entre 1780 et 1784. C'est dans cette maison que les commerçants européens faisaient leur commerce, vendaient ou achetaient. Cette maison mettait entre 150 à 200 esclaves. Oui, comme des marchandises. Dans cette grande pièce que nous venons de sortir, c'était la chambre de passage. Il y avait une balance fixée à l'intérieur. Une cinquantaine d'hommes étaient attachés à l'intérieur. Ils les pesaient un à un. Le prix de chaque homme dépendait de son poids et de ses muscles. Le poids minimum aux hommes était fixé à 60 kg. Plus de 60 kg, un esclave apte. Moins de 60 kg, inapte temporaire. Les esclaves qui pesaient plus de 60 kg, s'ils descendaient la balance, ils les enchaînaient au pied. Au milieu des chaînes au pied, ils accrochaient des plombs en fer de 10 kg 300. S'ils sortaient ici, ils les séparaient dans ces cellules-là. Vous avez 3 cellules pour homme ici et 2 en bas. Ça fait 5 cellules réservées uniquement aux hommes.
Ces cellules mesuraient 2,60 m de long sur 2,60 m de large. Ils mettaient 15 à 20 à l'intérieur, assis au sol, le dos contre le mur, les chaînes aux bras ou aux pieds. Ils sortaient une fois par jour pour satisfaire leurs besoins. S'ils tombaient malades, ils les faisaient sur place. Les portes et les fenêtres, c'étaient des barreaux que les commerçants européens visitaient en palpant les esclaves comme du bétail. Venez voir la cellule des enfants. Regardez les cellules qui mettaient entre 15 à 20 personnes. Comment ils étaient? Vous êtes en mer pour protection, prenez des photos filmées. Ça, c'est celui l'enfant. Non, non, ça c'était les hommes. Des hommes. Qui faisaient entre 15 à 20 personnes. Assis au sol, le dos contre le mur. Les chaînes aux bras ou aux pieds. Les chaînes étaient accompagnées avec des boules de tigre croissant. Que l'esclave oblige de porter, même quand elle allait aux toilettes. Parce qu'elle sortait une fois par jour. Si c'était malade, il les faisait sur place. Le temps dans ces maisons, dans ces cellules, durait entre 3 mois, 3 mois et demi. Le temps d'attendre les bateaux qui viennent les chercher. Venez voir la cellule des enfants que je vous disais tout à l'heure. Ok. Les enfants, ils les mettaient là. Mais ça, on peut confier ça à quelqu'un. Comme ça, on le prend tout de suite. Jusqu'au fond, venez voir. Âgés de 6 à 12 ans, c'est là qu'ils les entassaient, comme des sardines, assis au sol, torse nu. Vous savez, chez nous, approchez, l'hiver c'est le vent frais. L'été il fait chaud. En hiver, s'il y avait la marée haute, l'eau de la mer versait sur les cellules. C'est pourquoi les gens les arrogent. Les enfants qui se trouvaient au sol, sans couverture, beaucoup ne tombaient malades. Ils ne voulaient pas voir des malades ou d'épidémie. Ils ne voulaient pas d'épidémie. S'ils voyaient des enfants malades, rapidement, il les détachait du groupe et les jetait dans l'eau. C'est pourquoi vous entendez que l'île était encerclée de requins. Parce qu'à l'époque, les enfants étaient vulnérables. Le pied dépendait de l'état de leurs dents, comme des chevaux, âgés de 6 à 12 ans. Venez voir la cellule des jeunes filles. Suivez. Ensuite, approchez ici. Les jeunes filles, c'est là qu'ils les mettaient. À l'époque, une jeune fille vierge, son prix dépendait de ses seins et de sa virginité parce qu'ils étaient rares. Pourquoi les jeunes filles vierges? Parce que la majeure partie des jeunes filles qui étaient capturées ou achetées à l'intérieur du pays, avant de les emmener jusqu'ici, beaucoup étaient violées par les gardiens ou bien par les soldats. Mais les Européens qui étaient sur place, qui étaient des vendeurs ou des acheteurs, ne venaient pas avec leurs femmes. Parce que la majeure partie des Européens qui venaient en Afrique à l'époque tombaient malades par des épidémies tropicales et mouraient vite. Avant de venir, vous avez fait des vaccins. Et des enfants avec. À l'époque, le métis qui jouissait le père blanc, mère noire, n'était pas esclave. Parce que si toutefois son père ou ceux qui s'est marié avec des blancs, les blancs mouraient, c'est eux qui héritaient les maisons, toute leur fortune qu'il y avait sur place. Ils avaient même droit d'avoir des esclaves. C'est pourquoi vous entendez que les premiers Européens qui avaient aboli l'esclavage en Afrique par ces colonies, c'étaient les Anglais. Mais repris par Napoléon, par les frères de sa femme, Joséphine de Beauharnais, qui était métisse. Mais vous savez, il n'a pas porté sens, parce qu'elle a été répudiée par ce même Napoléon, parce qu'il n'avait pas d'enfant avec. C'est pourquoi vous attendez qu'en 1815, lors du Congrès de Vienne, quand Corée et Saint-Louis furent rendus à la France, toutes les métisses qui jouissaient les fers blancs, mère noire, étaient des citoyens français. C'est pourquoi à l'époque, une jeune fille qui était gardée là, son prix dépendait de ses seins et de sa virginité. Jusqu'à présent, chez nous, c'est une tradition. Venez voir la cellule des inaptes temporaires. Ici, vous avez la cellule des inaptes temporaires. Si vous entendez inaptes temporaires, c'était les esclaves qui étaient pesés là-bas. Ils ne faisaient pas 60 kilos. Ils savaient que cet esclave ne pouvait pas tenir les trajets. Pour ne pas le perdre, ils les enfermaient là. Et ils suivaient des régimes alimentaires avec des haricots de chez nous, ou bien des sorgho, ou bien du sorgho, pour les faire grossir.
3 mois et demi. Si l'homme est bien nourri avec ses haricots de chez nous, qui s'appelait Niébé, il a du poids, il les mettait là-bas. S'il n'arrivait pas à gagner le poids qu'il voulait, ça ne le fera pas un esclave libre. Il les vendait aux gens chers, moins chers. C'était les futurs domestiques qui étaient dans les... qui étaient dans les maisons, qui aidaient les esclaves enfermés à les donner à manger ou à boire. Mais comme qu'à l'époque, nos ancêtres avaient des hommes costauds, très puissants, souvent il y avait des rebelles. C'était les futurs basketteurs que vous attendez aux États-Unis et les boxeurs. Ces hommes-là, s'ils se rebellaient à l'époque, ils ne voulaient pas les perdre, mais ils les punissaient. Vous venez voir leur place. Ils les mettaient là. Wow. 5 à 6 personnes étaient forcées de pousser à l'intérieur. Le seul problème d'un gardien, c'est de la fermer après l'esclave. C'est la seule cellule que vous entendez que Nelson Mandela est rentré quand il est venu sur un vide officiel. Nelson Mandela est allé jusqu'au fond. Il est assis là-bas pendant 5 minutes. Quand je sortais jusqu'ici, avec les larmes aux yeux, les gens disaient que ça lui rappelait ses 27 ans de prison. C'est pourquoi, quand on restaurait la maison, on commence à faire des lampes pour que les gens puissent voir au fond. Ce que vous voulez, allez-y. Bien joué. Voilà, allez-y voir. Parce que c'est la seule chose qui a vu sur le fond. Prenez des photos. Où est le photographe? Waouh. Moi, je pensais que c'était pour moi, c'est tout petit. C'est tout, hein? Mais quand tu rentres, tu restes comme ça. Waouh, tu peux pas te lever. Voilà la cellule qui est réservée pour les fermes. C'est la cellule des inoptes temporaires. C'est là qu'ils les mettaient pour les garder pendant 3 mois avec des haricots. C'est bon, approchez-y. De palme. Alors, ils les gardaient ça et c'est les enfants qui doivent les charger de les garder. Cette petite couloir que vous voyez là, ici, se passait la dernière vente des esclaves en Afrique. Les commerçants qui visaient les cellules, qui faisaient leur choix, le nombre d'hommes, de femmes, d'enfants qu'ils veulent acheter, c'est là qu'ils les regroupaient. Souvent, ils se trouvaient toute une famille, le père, la mère et les enfants. Les vendeurs et les acheteurs étaient là-bas, en discutant avec les esclaves. Si les commerçants étaient d'accord pour le prix là-haut, vous avez la porte qui disait adieu à l'Afrique, la porte allait sans retour. Que 15 à 20 millions de Noirs ont passé avec les yeux fixés en l'infini de leur souffrance. De 1536 jusqu'à 1848. Mais une question. Et ici, vous avez les couloirs que j'aimerais vous parler tout à l'heure. Les couloirs là. C'était à Dieu l'Afrique. Comment? Toute une famille qui venait se connaître. À partir de là, c'est là qu'on les séparait. C'est-à-dire la mère aux USA, l'enfant aux Antilles, le père Kouba au Brésil. En sortant la porte, il n'y avait pas ce mur. Il y avait un pot en bois de bonnier, c'est ça le bois de bonnier, qui servait d'embarcadère. Quand les esclaves descendaient avec les poules et les chiens aux pieds pour monter sur des voiliers qui les amenaient au bateau. Parce qu'à cause des rochers, les bateaux ne pourraient pas s'accrocher. Mais chaque embarquement d'esclaves, mes amis, il y avait beaucoup de tentatives d'évasion. Il y avait beaucoup de nos ancêtres qui préféraient de mourir que partir. Et ils préféraient de sauter dans l'eau. Mais ils ne pouvaient pas aller loin. Parce qu'avec les chaînes, vous avez bientôt vous montrer les boules. Et vous demandez cette question, est-ce que vous pouvez aller loin? Ils ne pouvaient pas aller loin. Et souvent, les gardiens qui étaient sur les bords, qui étaient durs à l'endroit de le faire, les saignaient. Quand ils les saignaient, les requins les attaquaient rapidement. C'est pourquoi quand le pape est venu ici, en 92, comme que le pape savait que beaucoup de missionnaires catholiques étaient mêlés à l'esclavage, ils n'étaient pas tous des saints, parce que la preuve que nous avons encore, c'est l'église que je vais vous montrer, que sa première pierre est posée en 1828. L'abolition de l'esclavage en 1848, donc c'est une preuve. C'est pourquoi quand il était là, il a demandé le pardon du ciel, en disant que l'Afrique peut pardonner, mais pas l'oubli. Il a célébré une messe de 3 heures de temps sur cette île. Maintenant, allez-y mes amis, on l'appelle maintenant la porte de nos retours. Parce que si vous allez, vous pouvez revenir. Mais à l'époque, c'était adieu l'Afrique. C'est une allée simple. Sorry. Thank you. Bon, on fait un format.
Voilà. Donc, madame, c'est bon, la OSC. Il y a une association qui se trouve aux États-Unis, des Blacks, qui ont cotisé 2 milliards pour restaurer ces deux maisons-là. C'est pourquoi vous entendez que cette île est classée comme patrimoine mondial géré par l'UNESCO. Parce qu'il y avait beaucoup d'Africains très riches et des Européens qui font du showbiz qui commençaient à venir pour acheter les maisons. L'État sait que si les maisons étaient achetées par les Européens ou par les gens riches de Dakar, ils vont transformer l'île de Gorée en cèdre africain. En quoi ? Le cèdre africain. Trophée. C'est pourquoi l'île est classée comme patrimoine mondial géré par l'UNESCO. On a une mairie à Corée en mer. Voilà, c'est pourquoi on paye les tickets de pèlerinage là-bas, voilà, pour le développement de Corée. Cette grande salle était réservée pour les dames, mais les femmes enceintes. Parce qu'un coup d'eau, les femmes étaient violées. Elles couchaient avec les femmes jusqu'ici. Si une femme était là pendant 2 mois, 3 mois, sa grossesse sortait. Une femme qui tombe en grossesse, c'est là qu'elle est venue. Sa seule chance ici, c'est de ne pas tomber malade parce qu'il y avait une cinquantaine. Parce qu'il disait un pomme de terre pourri, pas gâteau en sac. Une femme malade là avec sa grossesse, il les jetait dans l'eau pour éviter des épidémies. C'est pourquoi la dernière question du pape ici, c'était comment peut-on vivre en tant que des croyants européens avec ce qui s'est passé en bas. Pour faire le parallèle, vous allez visiter là-haut. Mais venez, je vais vous montrer les chaînes et les boules de Dieu pour voir ça. Venez voir. Tu pleures. Suivez, recevez. Voilà. Chacun va prendre. Ça c'est 10 kilos de poisson. Vous les voyez, chaque pays avait cette chaîne. Au milieu de ces chaînes, il y avait ce bout de 10 kilos de poisson. La question est, est-ce que avec ça et ça, est-ce que même si c'était un bon agent, vous pouvez aller loin? Et vous aussi. Regardez ça. Où sont les dames? Est-ce que vous avez déjà visité la Mauritanie? Ce que vous voyez là, c'était pour les femmes. Aussi, c'était des chaînes. Maintenant, ça devient la mode. Si vous allez en Mauritanie, c'est ça que les descendants de l'île, c'est des Mauritaniens qui ont de l'argent. Ils le font en argent, pour les met dans les pieds, mais c'est de la moindre. Dis que croissant. Touchez-vous.
C'est pourquoi vous attendez que les gens disent que l'Afrique ne peut pas donner. N'est pas le cas. Ah, allez-y. 300. 10 kilos, 300. Mais elle est le fort. Hein. Moi, je crois qu'il faudra marcher. Toi, tu es Yoruba. Oui, la photo toi. Voilà, parce que regarde, un jeune comme ça, avec ça sur les pieds. Même s'il est musclé, il ne faut pas aller voir. Ça c'est clair. Voilà. Mais vous voulez voir, l'escalade était comme ça. On mettait le voir. Lorsqu'il sortait de notre ville, ils étaient 15 à 20 dans chaque pièce. Comme ça. Ils sortaient une fois par jour pour satisfaire leurs besoins. S'ils tombaient malades, ils le faisaient sur place. Regardez là aussi. C'était les voyages des bateaux. 350-400 à bord. Monsieur, excusez. 25% mouraient avant d'arriver. C'est pourquoi ils se chargeaient les bateaux pour avoir plus d'hommes valides à l'arrivée. Voilà. Là, vous avez. Je pense que vous le connaissez. Voilà. Et là, vous avez les marchés. Ce tableau a plus de 35 ans ici. C'est pourquoi je vais vous montrer l'artiste qui l'a fait ici. C'est le tableau en salle. C'est pas adorable. Si nous allons là-bas, ne ratez pas ce que l'artiste va vous montrer parce que, pour ne pas dire que c'est de la magie. Oui. Parce que c'est tout pas africain et coréen. Regardez, Victor Schoelcher qui a aboli l'esclavage en 1848, mais les premiers c'est les Anglais. C'est ça qui nous permet de faire chaque jour le tour du monde sans bouger. Venez voir nos célébrités qui ont venu là. Là, vous avez Nelson Mandela. Vous avez George Bush fils qui est là. Ça, c'est le son Mandela. Oui. Là, vous avez Obama. Et celui-là, c'est qui? Hein? Non. Tout ça, ce sont des autres. Des autres du monde. Non, va pas. Bush fils. Obama. Clinton, tu le vois là. J'avais Clinton ici. Voilà. Et Jacob Zuma. La bouche est au milieu de la chaîne. C'est ça qu'on met ici. Voilà. Filmez tout, après on va voir l'étage. Château par rapport au bateau. Même dans les bateaux, ils sont pas vraiment. Dans les bateaux. Et là, vous avez 8 euros. Ça, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi. Par exemple, parce que. Parce qu'il y a l'autre jour, c'est ce matin pendant les traversées. Là-bas, la photo de la dernière fois. C'est Bush. Allez, venez les amis, on va voir les tailles. Les amis, venez par là. En tout cas, si tu as 50 ans, tu as un très grand cœur. Il y a un grand cœur de plus de quoi. Je ne donne pas ton âge. Voilà, les amis, approchez ici. C'était ça que les Européens amenaient ici pour traquer ça contre les hommes. Des femmes et des enfants. Vous savez que mes amis, l'Afrique n'avait pas de monnaie. Le commerce était du troc, de l'échange. Les Européens amenaient des fusils,
des feuilles de tabac, des barils de rhum, des sacs de sel, des vêtements et des bottes de guerre pour échanger ça contre des hommes et des femmes et des enfants. C'est pourquoi vous entendez que le commerce triangulaire, c'était l'Europe, l'Afrique, les États-Unis. Si vous voyez qu'il a duré 350 ans, voire 400 ans en Afrique, parce qu'il y avait la complicité de nos chefs de tribus africains et les Arabes. C'est pourquoi on nous appelle, nous, des musulmans modernes. Parce qu'on n'a pas d'islamistes, on n'a pas d'intégristes, on a 100% de croyance au Sénégal. Et regardez là, tous ces lectures, c'est parce que vous attendez son histoire. Maintenant, filmez et photographiez, et vous voyez ce qui attendait les esclaves. Et les amis, il y avait une loi, tout chef de tribu qui refusait ce marché. D'autres Africains armés vont venir vous attaquer. Parce que c'était divisé pour mieux régner. Et venez voir la terrasse. Château par rapport au bas. Les commerçants européens qui regardaient leurs marchandises pour marcher. Quand vous voyez nos frères, nos soeurs américaines qui viennent ici en pèlerinage pour beaucoup de temps. Ça c'est l'Afrique. Salut. Oui, mais nous a rien d'ici. Hein? Le gars. Maintenant filmer, photographier, je vous attends. Grand, si femme, si l'an là. Si moi, si pop, j'ai quand j'ai mis de côté. Ah ok. Est-ce que tu as expliqué? Oui, expliqué là. Ok. Les tableaux, photographier, lisez, après on va continuer. C'est bon? Je suis choqué. Ouais. C'était les armes, les chaînes qu'ils mettaient aux esclaves. C'est bon, hein. Excusez. C'est bon, hein. Voilà, c'est bon. Voilà.
Regroupez-vous au milieu. Ah, on a fini les photos. Non. Regroupez-vous au milieu. Voilà, en photo de nous. Oui, oui, oui. Famille. Ça va. On n'a pas. Partenons. Voilà, au milieu. Allez-y, au fond. Partenons, au retour. Allez-y, au milieu. Voilà. Venez, après, on va te faire une photo au milieu là. Ça c'est vrai. Ça je le vois. C'est bon? Après vous le prenez là. C'est bon. Allez. Voilà, c'est bon, allez-y. Voilà, t'as pas encore fini. Enlevez les masques, voilà. Voilà. Parce que cette porte que vous voyez, que nous appelons la porte Alexandre. Parce que si les esclaves pour sortir, c'était à guerre l'Afrique. Parce que le dernier étape, c'était ici. Et souvent, ils avaient des yeux fixés à l'infini de leur souffrance. C'est pourquoi vous attendez beaucoup qui préféraient de mourir que partir. Maintenant, nous allons prendre la porte de notre retour. Parce que si vous allez, vous pouvez revenir. Mais allez tout regarder l'Afrique. C'est une allée simple. C'est bon? Voilà. Prenez les photos parce qu'ils veulent fermer. Voilà. Allez-y. Non, voilà. C'est bon. Voilà. Porte, allez sans retour. Voilà. Voilà, maintenant, on est de retour. On y va. Voilà. Merci. On y va, merci. Merci. Donc, les amis, vous venez approcher par là. On suit. Approchez.
Vous avez ici la largeur de l'île, 300 mètres de large. Vous voyez la mer de deux côtés. Vous allez bien? Oui, ça va, chez vous. Regardez la mer là et là. 300 mètres de large. C'est la même chose. Sur 900 mètres de long, 27 hectares. Calme et reposant. Pas de cimetière, pas de voiture, ni de bicyclette. On a deux hôtels sur l'île, des auberges, mais beaucoup de touristes préfèrent d'habiter chez l'habitant parce que l'île est calme et reposant. Venez, on va passer par là. Les trois quarts des maisons appartenaient à la France. La Sénégalais qui les a placés. Les amis, approchez ici. Vous voyez, ce sont des anciennes constructions coloniales qui datent du 17e siècle. L'aéroport que vous avez descendu à Dakar, l'homme qui porte le nom de l'aéroport est né ici en 1872, Blaise Diagne. Premier député noir en France. Première maire de Dakar en 1914. C'était lui qui recrutait nos ancêtres martyrs, les tirailleurs sénégalais, que les Français disaient qu'ils tiraient ailleurs. L'homme est né ici. Et c'est lui qui porte le nom de l'aéroport que vous avez descendu, l'aéroport international Blaise Diagne, IDBD. On voit parfois ce Diaz Diagne. Diaz, c'est le village. Diaz, c'est le village. C'est le village que vous sortez. Approchez ici. Voilà, les amis. Bon, les amis, préparez les appareils, filmez, photographiez avec moi, c'est pas interdit. Pour ne pas dire que c'est de la magie pour voir ce que les artistes vont vous montrer. Approchez ici. Venez par là. Approchez ici, l'artiste va vous faire une démonstration suivie des commentaires. Voilà. Bonjour. Filmez, photographiez pour ne pas dire que c'est de la magie. Soyez les bienvenus. Merci. Donc, avec des artistes qui font des tableaux avec ces sables-là, qui sont de plage et de désert. Donc, vous avez ici le sable blanc qui nous vient de la plage de Salou, qui est la petite côte du Sénégal. Salou. Oui, là c'est le sable local de l'île de Gorée, on trouve ça au niveau de la plage, le sable local. Vous avez ici le sable gris de la plage de Kafkiri, ça c'est en Casamance, au sud du Sénégal. Là c'est le sable du lac Rose, à 45 km de Dakar, lac Rose. On a aussi le sable du désert de Sahara, c'est le plus grand désert du monde que vous connaissez normalement, Sahara. Là c'est en Mauritanie, les mines de fer de Guelb à Zouéra, là c'est le sable ferreux de la Mauritanie. On a aussi les îles du Siné Saloum au centre du Sénégal, le sable des palétuviers et des mangroves.
Donc toujours aussi le sable du désert de Ténéré. Ténéré au nord du Niger, Mali, Burkina Faso. Désert de Ténéré. Là c'est au nord du Sénégal, les dunes de Lompoul, le Saint-Louis. Le sable des dunes de Lompoul. Et le sable noir c'est le volcan des Mamers. Ça c'est près du monument de la Renaissance africaine. Donc au total on arrive à utiliser jusqu'à 15 couleurs de sable naturel. Avec la colle aussi qui vient de la sève de baobab. Vous connaissez le baobab, n'est-ce pas? Là, on utilise la sève de le liquide du baobab mélangé avec la gomme arabique de l'acacia. Et là, c'est la démonstration, c'est la partie la plus importante. On va essayer de vous montrer un peu comment les tableaux se réalisent. Ils sont faits avec la même technique. Alors là, on fait sortir la forme d'abord. Après, on va faire la projection des sables du plus foncé au plus clair. Contrairement à la peinture. Là, donc, c'est presque fini pour le dessin. Après, on va faire la projection des sables. Et là, vous verrez que ça va se faire du plus foncé au plus clair, contrairement à la peinture. Donc dégradation, ombrage, toujours on fait sortir avec la couleur noire. Donc après on va terminer au plus clair. Voilà donc résultat final, on va voir si ça mérite des applaudissements quand même. N'hésitez pas, n'est-ce pas? Là si c'est pas beau aussi, si ça mérite des sifflements aussi, n'hésitez pas. On est d'accord? Voilà. Et résultat final, c'est tout de suite. Tous les tableaux sont faits comme ça. Donc après, on va continuer à faire sécher au soleil. Ça va prendre au moins 15 minutes. Après, on expose ici. Wow. Là-bas, on va terminer les explications, s'il vous plaît. Donc, une fois que c'est séché, donc le tableau ne bouge plus. Allez, regardez. On continue le tour. Après, il va me trouver en bas. C'est le penseur. Voilà. Maintenant, les tableaux, on les vend par dimension. Cette taille-là, c'est 10 000. Et là-bas, 7 500 en haut. Et les plus grands tableaux à 20 000. Si vous voulez aussi, avec la porte de voyage sans retour, vous pouvez marquer la porte du non-retour, donner la date d'aujourd'hui, des prénoms et ce que avec les écritures que vous avez là. Là, les écritures, c'est comme ça. Donc, si vous achetez jusqu'à 3 tableaux, le 4e est gratuit. S'il y en a qui vous tentent maintenant. Là, c'est 10 000, 7 500 et 20 000 les clés. Non, je vais vous encourager. Je vais prendre le. Non, oui, ça vous encourager. Regardez s'il y en a qui vous tentent. Ça c'est le plus souvenir de bonheur. Il y a l'amour maternel, baobab aussi, symbole du Sénégal, la carte Afrique avec le coup. Devon, you did it.
Macao. Oh. Ça que moi mais bagad dadi. Do this. How want you auto villa bye bye. Les amis approchés, en face de nous, nous avons l'ancienne caserne de la marine française que l'État sénégalais a transformée maintenant en école des jeunes filles que nous appelons une gazellerie nationale. Les gazelles, l'école des jeunes filles. Okay. L'école Mariama Badagoré, vous l'entendez. C'est elle qui a écrit un livre qui s'appelle Si Long Là. Oui. On sélectionne que les meilleurs élèves du pays par des concours à l'âge de 13 ans. Transférés ici par l'État sénégalais. Et l'État les prennent à ça. Elle les loge, elle les nourrit jusqu'au baccalauréat. Ceux qui réussissent à gagner leur baccalauréat ici avec des mentions très bien. L'État les donne des bourses pour les transférer au Canada, en Europe ou bien aux États-Unis pour les faire des futurs cadres du pays. C'est une élite du Sénégal. Elles sont logées, nourries et blanchies. Ceux qui ont les moyens de descendre les vendredis, reviennent les dimanches soirs. Ceux qui n'ont pas resté toute l'année ici. Mais vous savez, au Sénégal, nous avons les meilleures universités de l'Afrique de l'Ouest, les meilleurs lycées, les meilleures écoles de formation, et l'école polytechnique pour les garçons à 70 km de Dakar. Yes. C'est pourquoi cette école, c'est une gazellerie nationale. Et vous allez voir ici l'église. L'église que nous allons visiter, c'était la première église africaine en dur. Les premiers mariages mixtes que vous entendez ont été célébrés sur cette église. Et c'est en quelle année? Monsieur? C'est en quelle année? Quand les Européens commençaient à conjuguer les verbes aimer avec le. Mais qu'est-ce qu'il y a, maman? Très belle femme. Le problème de oui, je ne peux pas avoir une autre comme celle-là. Donc, il faut que vous conjuguez les verbes aimer. Bon, nous avons l'église qui est là. Que sa première pierre est posée en 1828. Sa finition, c'est en 1830. Le pape Jean-Paul II est venu ici en 1992. Nelson Mandela en 91. Clinton le 2 avril 98. George Bush le 8 juillet 2003. Hollande le 12 octobre 2012. Et Obama le 27 juin 2013. Le dernier, c'était président Macron. Il est venu ici en 2018. Et vous, aujourd'hui, en 2021, décembre. Ça, je vais le marquer. Le 11 décembre. Oui, oui, je vais le marquer. Chacun va me donner son nom. C'est la fête des deux parents de notre pays. C'est aujourd'hui. Ah, donc vous êtes les bienvenus. Vous avez la chance. Il faut, voilà.
Vous êtes là le 11 décembre 2021. Voilà, une délégation de vous. Aujourd'hui, ce sont l'anniversaire. Mmh. Allô, madame Panier. Bonjour, maman, ça va? Oui, ça va, je vais très bien. Oui, ça va. Yangi si jam e yarambi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, lolu ba, yalla yok ba. Il est crédible dans 40 pays. Pardon. Qui? Finga Demnon, voilà. Qui l'a voir en Yahoo? Ah, ok. Ah, d'accord, Laura. Ci journée tay bi en mardi lundi wala mardi waaw d'accord lolou do am ben problème maman si c'est vrai dina ko programmé maman Wow. D'accord, lolu du ben problème inshallah. D'accord, bihan. Inshallah. Donc mes amis, je vais vous montrer maintenant. Lolu am ben problème inshallah. Lundi wala mardi lu ci ki rek na la wax. Inshallah yalla. Merci maman. Merci maman. Merci à vous. Merci. Au revoir. Est-ce que... It is a church. La construction, c'est en 1928, c'est ça? La construction de l'esclavage. Pour la première pierre, 1928-1930. Voilà. Deux ans de construction. Voilà. Sa première restauration, 1960. Sam Bjorn, welcoming you. Welcome to Dora Island. President Sayer, please. It is c'est un de nos guides, comme celui-là aussi. Ce sont eux qui font la fierté de l'île. Ce sont eux qui viennent traduire l'histoire. Donc ils font un travail remarquable. Et vraiment, c'est le livre. Merci beaucoup. Voilà. Et ce monsieur, c'est le secrétaire général de la Confédération africaine de badminton. Il est accompagné de la présidente qui est là-bas, les Otto. Du Bénin avec Uda, vous savez, ce qui nous lie,
Zambie. Lui, c'est un Hollandais. Ça représente aussi. Honnête, du Cameroun. Voilà. C'est ça la commission. Nous, on vient du Burkina. Voilà. Le pays des hommes intègres. C'est oui, Drago. Monsieur Khasso. Burkina? Non. Lui? C'est parti. Je suis africain. Bien dit, moi aussi je suis africain. Nous on comprend un cas de tout. Je suis tout. Je suis béninois, je suis africain. Voilà. Vous avez... Je voulais entendre. Vous avez Himsef, monsieur Tigan Camara, directeur de cabinet du maire. Nice to meet you. Très heureux de vous rencontrer. En te disant que chez nous, vous êtes chez vous. Moi, monsieur Antoine Diagne. Lui, il a parlé de tout le monde, mais il n'a pas parlé de lui. Oui. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est crédible dans 200 pays. Mais oui. Lui, il fait partie du gouvernement local. Quand j'ai dit son conseil municipal. Alors, cette carte est un raccourci. Et vous savez, la mission qu'on lui a confiée, c'est de gérer l'international des villes en termes de relations. Cette connexion, il l'a. Sans compter maintenant le crédit personnel dont bénéficiez-vous. Regardez le compteur. C'est Karen la guide. C'est Karen la guide. Allez, bonne journée. Yeah, voilà les amis, l'ancienne école William Ponty que je vous parlais. Regardez les noms des gens que cette école a formés. On est gravé là sur le mur. Voilà. Attendons les autres. Voilà. Dans cette présidente congolaise.
Ah bon? S'il veut. Sylvanie Solofio. Ah, oh, Sylvanie Solofio. L'ancien président? Oui, l'ancien, le premier président togolais. Ah. Oh. Oui. Ah, il a étudié ici. Waouh. Lui, c'était l'ancien président, le premier président du Togo. Ils ont tué là, sauvagement. Par coup d'état. Oui. Hey. Hey. Like a what? Yeah, BMW. Bon, le gars, on a envoyé mon départ pour le car. Mon envoyé les informations sur WhatsApp pour la message normal. Mais il est ici. 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 Bon, lolou il faut mo xam mo joge l'île de Gorée ma ngi paré visir ni ma xam lolou lay calé ni ma xam ndax dama ko calé wala dé wow yeah. Et le groupe pour les gens. D'accord. Ok. Le pour les gens. D'ailleurs, on a pris le temps de vous montrer un peu l'île de Gorée. Plein d'histoires. C'est très émouvant. Les toilettes, allez. Très, très émouvant. C'est là. Non, c'est pas fait. L'île de Gorée, c'est plein d'histoires. Hein. C'est l'histoire africaine. Plein de choses.